Que se passe-t-il en République du Congo? Depuis la prise de pouvoir par le général Olingi au Gabon, après son coup d'état contre Ali Bongo, le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso a littéralement interdit aux médias locaux de diffuser l'information à la population congolaise. Télé Congo, Radio Congo, TPT et autres médias publics ou privés sont sommés de ne pas relayer l'information du coup d'état militaire qui a emporté Ali Bongo au Gabon. Qui a peur de qui? Dans les grandes artères des grandes villes comme Pointe-Noire et Brazzaville, des contrôles systématiques ont été mis en place par le régime totalitaire de Denis Sassou Nguesso après 19h. Qui a peur de quoi? La famille Sassou Nguesso, qui considère le Congo comme un patrimoine privé, comme un legs familial, sait à quoi s'en tenir. Un coup de force au Congo est inévitable, d'autant plus que les divisions sont de plus en plus visibles et ont revêtu le costume du silence et de la fausse loyauté. Nous nous rapprochons de notre objectif, méthodiquement mais sûrement. Si Denis Sassou Nguesso échappe à une quelconque déchéance, son fils, qui dit à qui veut l'entendre être le futur président de la République du Congo, connaîtra l'humiliation pharaonique de l'histoire moderne de ce pays. Qui vivra, verra.